C'est coordonnatrice générale Coupa Vive et puis fondatrice aussi. Coupa Vive, c'est commission femmes victimes pour victimes. Et nous avons dit, tant nous avons fait vivre la situation n'est pas aussi facile, côté que nous avons pile la boue, en même temps, dans Chita avec eux, nous avons vu une possibilité pour que nous soyons capables de mettre un système de sécurité dans le camp pour protéger les femmes actives qui sont victimes dans le camp. Et là, ça, mesdames, comme si pas tardé pour te porter, comme si soutien au bas nous. Nous avons fait nos suivformations et le soir, tout nous avons marché sous place. Là. C'est que nous connaissons son lieu de business, il y a deux mondes, c'est le soir capable de rencontrer. Il y a des jeunes, garçons, c'est le soir capable de rencontrer. C'est que la journée, il y a l'activité. Même le soir, nous avons toujours sous place là pour nous conscientiser sous même bagage ça toujours. Et nous capable dire nous avons 65 femmes qui offrent tête en tant que agent pour faire vivre pour que capable travailler dans camp et puis avec dans zone yo qui c'est zone qui plus défavorisée zone nous dit c'est zone misère et puis yo même il travaille dans camp yo sacrifier pour travail 65 femmes chargé femmes. Et même les tremblements de terre étaient passés, nous pouvons connaître les statistiques, combien de femmes qui mourent, combien de garçons qui mourent, mais nous connaissons les femmes qui représentent 52%. Ça veut dire qu'il y a plus de femmes que de garçons. Pourtant, côté bagaille, a fait des décisions à prendre, ou a besoin de femmes représentées. Laissez à nous-mêmes, femmes pour nous-mêmes, parole pas nous pas implanter là, même dans le bagaille. Tout ça, son violencier, essayer de parler avec nous, ok, c'est. Et babité, tu vas nous coordonner. Madame Malia et Madame Iramit, qui ont une organisation qui est le Coupa Vive, nous cherchons avec eux, nous chita, nous parlons. Ils disent, bon, mais comment on a fait? Et puis, je deviens victime, et puis c'est eux qui ont une chance de te mener à l'hôpital, et ça a été même pour avec moi sur place là. Et puis, quand je viens voir qui j'ai une activité de travail là, et puis, je mets ma main dans la tête, on va me faire travail là. Le programme non, il existait depuis février 2011. Jusqu'à journée aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré pièce de violence. Merci avec Coupa Vive, merci avec Chevis qui permet que nous continuions à faire formation. Parce que c'est vrai que nous avons gagné là, mais à partir des possibilités que nous avons, qui fait que chaque vendredi nous avons une chance pour nous réunir avec eux. Ça veut dire que c'est le premier bagage que dit, avons senti qui bien pour eux. Parce que le changement ça qui porte, qui fait reconnaître si vous battez en forme. Et puis, mais qui s'est réservé pour eux, et puis ils ont évité ça. Donc, si on, même les tagons aident, il faut que nous chita avec Haïtiens, lui-même, faut que nous chita pour nous capables de connaître lui-même qui a besoin. Parce que, je ne sais pas si vous avez besoin de vous, je ne sais pas si vous avez besoin de vous, parce que ce n'est pas lui-même qui a besoin. Donc, un conseil que je vous donne.